La première fois que j'ai entendu la musique d'Arvo Pärt, c'était justement sa pièce Fratresse à la radio. J'avais 16 ans et je me souviens être restée dans un état de sidération. C'était comme retrouver un lieu très cher à mon cœur, dans lequel je n'étais pourtant jamais allée et qui me questionnait, qui me consolait aussi par les sons. Je pense que c'est une des émotions primitive et que c'est ce qu'Arvo Pärt éveille en nous, je pense, et c'est pour ça qu'il bouleverse certainement beaucoup de monde. L'idée du répertoire au départ, c'était de faire une adaptation pour violoncelle et bande électronique, de faire un arrangement et pas une recomposition, donc de rester vraiment dans le style d'Arvo Pärt. Au départ, on avait fait des prises de son pour les intégrer dans la bande. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est dommage d'avoir des sons acoustiques et en fait qu'ils soient joués finalement par une machine, parce que c'est enlever à cette musique-là sa liberté d'interprétation aussi. Donc l'idée, c'est de partir vers une version non pas avec bande électronique, mais avec électronique en temps réel. Faire un langage qui est de plus en plus aéré et qui permet du coup à l'interprète de pouvoir facilement faire résonner des choses. L'écriture de cette pièce en elle-même, l'écriture d'Arvo Pärt en général, m'a semblé s'y prêter en même temps, puisqu'elle se base beaucoup plus sur la force de l'harmonie, la force du son en lui-même, bien plus que, d'après moi, sur une instrumentation particulière où on est embarqué dans un voyage sonore et sensoriel avant tout. Ça fera partie de mon deuxième album, Boréal, qui sera un grand voyage autour des compositeurs d'Europe du Nord. Et donc l'étape dans laquelle on est actuellement, c'est de réaliser une maquette. On a besoin d'aller enregistrer régulièrement dans des lieux différents pour se rendre compte tout simplement de comment ça pourra sonner. Ça m'a mis face à des questionnements sur le phrasé, sur la conduite du son, sur comment avoir du souffle. Et c'est une musique très exigeante, malgré son apparente simplicité, effectivement.